Bonjour et bienvenue à votre émission « Ça vous regarde ». Aujourd'hui, on reçoit Isabelle Beaudoin, technicienne en loisirs de la municipalité de Mandeville. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que je peux vous tutoyer? Bien oui, certainement. Parfait. Donc, vous êtes récipiendaire du prix du congrès de l'Association du Québec des loisirs municipaux. Oui, c'est bien ça. Vous avez reçu ce prix, tu as reçu ce prix-là quand? Dernièrement, ça fait à peine 2 mois, j'ai reçu ça lors du congrès de l'association. À ma grande surprise, j'ai pas réalisé l'ampleur du prix, mais j'étais très, très, très contente, vraiment. Qu'est-ce qui vous a mené justement à ce poste de technicienne en loisirs? Ben, j'ai travaillé 8 ans dans les fleurs, chez les grossistes à Montréal. Ça m'a appris à faire beaucoup d'organisation, de gestion et de l'espace et des ressources humaines et tout ça. Par la suite, je suis revenue dans mon patelin à Mandeville. J'ai travaillé pour les Trouvailles de Mandeville, qui est un organisme de bienfaisance. 3 ans, j'ai été coordonnatrice là-bas. Puis j'ai quitté pour avoir mon deuxième enfant, qui est ma fille. Et puis j'ai vu le poste affiché de technicienne en loisirs dans le journal. Alors j'ai pris une chance, je voulais travailler vraiment. C'était vraiment important pour moi de travailler pour ma place, alors j'ai appliqué pour le poste. Donc, vous êtes diplômée en gestion financière informatisée. Oui, c'est bien ça. Ça vous sert beaucoup dans votre métier de technicienne en loisirs? Tous les jours, oui. C'est vraiment, c'est un cours de comptabilité, d'administration, fait que ça m'aide pour les budgets, les subventions, monter les dossiers, tout ça. Oui, vraiment. Puis, vous avez aussi une formation d'instructeur RCR. Oui, pour la Fondation des maladies du cœur du Québec. Je suis instructeur depuis l'année dernière, officiellement, oui. En quoi ça vous sert, justement, dans votre métier de technicienne en loisirs? Bien, par rapport au camp de jour municipal, c'est moi qui forme les animatrices en RCR et en soins anaphylactiques. Ça fait que ça assure une protection là, pour les enfants, là, qui est supplémentaire. Qu'est-ce que la formation DAFA? C'est le diplôme d'attestation fonction d'animation. C'est une nouvelle formation à la grandeur du Québec. Je suis cadre responsable de la formation. J'ai été formée l'année passée. Et ce que ça fait, c'est que ça aussi, ça vient beaucoup aider pour le camp de jour municipal. Ça assure une qualité d'animation par rapport aux enfants. OK. Pouvez-vous nous faire un portrait de Mandeville? Combien il y a de population? 2300 quelques habitants. J'ai pas le chiffre exact, malheureusement. Je dis tout le temps que c'est le plus bel endroit de la Terre. Où est-ce qu'il y a, il y a tout? Il y a tous les talents, toutes les ressources. C'est vraiment un beau coin de pays. Vraiment. Il y a une grande participation des habitants? Ah oui, absolument, absolument. Dans différents projets là, qu'on va parler tout à l'heure, vraiment, il y a une belle participation. Parce que j'aurais beau avoir tous les talents du monde, mais si je suis seule, je peux pas mettre en application tous les projets là, pour la municipalité. Je pense aussi que vous êtes vraiment appuyée par la municipalité. Ah oui, totalement. Les conseillers, Madame la mairesse, ma directrice, vraiment, je suis vraiment appuyée par eux parce que je rencontre d'autres gens qui sont dans le monde municipal au niveau des loisirs, puis c'est pas toujours le cas. Ils sont vraiment soucieux d'offrir une belle qualité de vie là, au Mandevillois puis aux Mandevilloises. Est-ce que tu peux me nommer quelques réalisations que tu as faites avec d'autres depuis que tu as eu l'obtention du poste de technicienne en loisirs? OK, bien, c'est ça. Je vais dire « j'ai », mais ça englobe les bénévoles, la direction, toute l'équipe municipale, autant les employés de la voirie, vraiment toute l'équipe. J'ai instauré un premier camp de jour structuré. Avec des règles, des modes de fonctionnement, des formations données aux animatrices. Ensuite de ça, j'ai réalisé avec un comité de bénévoles un parc municipal qui est vraiment de toute beauté. Ensuite de ça, il y a eu un terrain de volleyball de plage aussi. Et tout ça, c'était des demandes des citoyens. C'est tout en réponse à des demandes de citoyens, puis grâce à l'approbation là, des conseillers et de la mairesse, là, évidemment, Mme Bergeron. D'accord. Puis, l'aire de jeu, vous avez, avec la municipalité, bien sûr. Oui, absolument. Bien, il n'y avait pas d'espace de jeu pour les jeunes enfants à la municipalité. Il y avait un partenariat école où est-ce que la municipalité avait collaboré pour l'installation de jeux, de modules de jeux dans la cour d'école, mais il n'y avait rien pour les tout-petits. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un espace réservé avec un module de jeu pour les 0-5 ans et des balançoires aussi qui sont sécuritaires, qui répondent aux normes canadiennes de sécurité. Là. On a fait ça récemment là, à la fin septembre. Est-ce qu'il y a un autre projet aussi qui va s'ajouter à cette aire de jeu-là? Oui, ce printemps, dans ce même endroit-là, il va y avoir une section où est-ce qu'il va y avoir des jeux d'eau pour les enfants. Super.
Puis, je crois aussi qu'il y a un projet pour un terrain de football. Oui, ça avec, c'est vraiment grandiose. Pourquoi je dis grandiose? Parce qu'il y a l'implication énorme de bénévoles. Il y a toute une famille que tout l'été, l'année passée, ont toutes défriché la terre, parce que le terrain municipal est vraiment immense. Ils ont toutes défriché la terre bénévolement. Ça a été un travail de plusieurs semaines, de plusieurs fins de semaine, parce que ces gens-là travaillent en plus. Et puis, c'est à la demande des citoyens qui voulaient avoir un plus grand terrain de football, un plus grand terrain de soccer, pardon, qui ferait un terrain de football en même temps. Fait que oui, c'est ça, c'est un projet qui est en cours. Là, on a commencé à travailler, je dis « on », exclut la personne qui parle, là, évidemment. Les employés de la voirie ont commencé à travailler le terrain. Mais possiblement que ça va se terminer là, au printemps. Là, est-ce qu'il y a des partenaires, justement, qui participent à ce projet-là? Oui, absolument. Bien, on a eu des sous de Québec en forme qui ont beaucoup… qui étaient une première, dans le fond, parce que normalement, Québec en forme ne subventionne pas aucun projet qui est installation matérielle. Cependant, avec toute l'implication bénévole qui est vraiment incroyable, ils ont décidé de nous payer l'acier que Soudure Saint-Gabriel a accepté de nous fournir au prix coûtant. Et puis, eux, en commandite, en tant homme, vont nous construire des buts de soccer et de football, là, dans le fond, qui font les deux. Là. Ça, c'est la première phase du projet, parce qu'il va y avoir possiblement, ultérieurement, une phase 2. Là. D'accord. Est-ce que vous savez la date où est-ce que c'est censé être prêt, ce terrain? Ou... Je crois bien que ça va être l'an prochain. À savoir, ça va être au printemps, dépendamment. C'est certain que quand il y a des bris de tuyauterie ou de trucs comme ça, on y va avec les urgences et priorités. Là. Mais les employés travaillent déjà dessus. Là. Puis, est-ce qu'il y a d'autres... Avez-vous des activités comme plus mensuelles ou tout ça, des projections de films, je crois, ou... Bien oui, en fait, c'est depuis la création du service des loisirs municipaux, on fait une programmation à tous les 3 mois qu'on distribue à l'ensemble des citoyens, dans laquelle la programmation des loisirs est détaillée chaque mois, avec toutes les activités mensuelles qu'il y a. Qui est offerte à la municipalité. Pour la plupart, c'est gratuit là, pour les citoyens de Mandeville, citoyens résidents. Dernièrement, il y a eu une activité pour l'Halloween. Oui, oui. En fait, c'est la deuxième année. Ça a été formé avec un autre comité de bénévoles cette année. Ça a été 4 univers distincts dans la salle municipale. Et puis, les enfants devaient passer ces univers-là qui étaient totalement déstabilisants pour eux. Et à la sortie, il y avait les pompiers qui les attendaient pour leur offrir une tonne de friandises. Ils devaient être... ils ont dû aimer ça. Ils étaient très contents. Certains ont passé 4 et 5 fois. Ils étaient vraiment très contents, oui. Je crois aussi que la petite séduction a débarqué à Mandeville. Oui, absolument. Ça aussi, ça a été un gros projet, mais un beau projet. Il y avait au-dessus de 86 bénévoles. L'organisateur en chef était M. Jacques Martial, qui est mon conseiller en loisirs. Je dis mon, mais je suis un petit peu possessive, là. Mais ça a été une énorme organisation. Ça a eu un effet très rassembleur. J'ai beaucoup aimé ce projet-là. Et le résultat aussi, je suis vraiment très fière du résultat. On a démontré le résultat en projection. Tous les gens étaient invités à venir au terrain de Balmol. Et on a fait une projection plein air avec... il y avait de la nourriture, un buffet. C'était vraiment festif, des jeux gonflables pour les enfants. Ça a été vraiment un beau moment, vraiment. Puis qu'est-ce que vous avez fait visiter justement à l'invité qui était Réal Bossé? Là? Bien, elle était à la réserve faunique, à Pourvoirie-Coubec. Il y a une partie des scènes qui a été tournée aussi au parc municipal qu'on a parlé tout à l'heure, parce qu'il est vraiment de toute beauté. Ensuite de ça, ça a été quelques scènes ont été dans les cours privés et puis dans la cour d'école. Puis ça a été aussi dans la cour de l'église parce qu'on est en train de ramasser des sous parce que nous devons refaire la couverture. D'ailleurs, ils sont en train de le faire pour ramasser des sous là, pour aider la fabrique dans la réalisation des travaux, là, parce que c'est énorme comme coût, là, vraiment. Puis tout le monde tient à son église. Là. On va aller une courte pause. On revient tout de suite après. Encourageons les entreprises d'ici qui nous reçoivent et nous servent fièrement en français et qui nous offrent des produits où tout est en français. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes. Tout en français. Pour toi le bonheur.
Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Nous sommes de retour avec Isabelle Beaudoin, notre invitée, technicienne en loisirs de la municipalité de Mandeville. Donc, j'aimerais ça qu'on parle des bénévoles de Mandeville. En quoi ils se sont impliqués dans tout ce travail-là? Par rapport à la petite séduction, on était au-dessus de 86. Ça fonctionnait sous forme de sous-comité par rapport au comité porteur. Chacun avait un bloc à préparer. Il y a eu énormément de travail derrière ça. Les gens qui écoutent l'émission puis qui n'ont jamais fait la petite séduction n'ont aucune idée d'à quel point il y a du travail derrière ça. J'essaye d'organiser les événements en fonction des intérêts des gens. Donc, si j'ai des bénévoles qui préfèrent l'Halloween, alors je les mets dans mon groupe d'Halloween. S'il y en a d'autres pour qui Noël est plus important, ils sont dans le Noël. Ceux qui ont plus d'intérêt par rapport aux activités sportives, c'est la même chose. J'essaie vraiment d'y aller avec les intérêts là, des gens. Puis vous avez fait un souper bénévole aussi. Oui, la municipalité a organisé un souper pour remercier les bénévoles qui s'étaient impliqués tout au long de l'année. On a aussi instauré un principe de carte de reconnaissance. Chaque fois qu'un bénévole fait une action bénévole à ma demande, là, je demande de l'aide, alors il y a une petite marque qui est faite sur sa carte. Et au bout de cinq marques, a droit à un rabais je pense, 50 % de rabais sur une activité quand il y a des coûts de rattaché. Alors, c'est ça. L'année passée, ça a été un souper. Il y a eu un spectacle aussi du groupe Les Chums qui est venu présenter un spectacle. Ils ont tous eu une plaque de remerciement pour souligner leur contribution parce que sans eux, il n'y a rien de possible, là, vraiment. Là. Puis, il y a des cours à faire à Mandeville. Oui, absolument. L'année passée, la municipalité a instauré le système de cours, c'est-à-dire que, selon la demande des citoyens, j'essayais de trouver une ressource disponible et la municipalité embauchait des professeurs pour donner les cours. Là, à partir de cette session-ci, celle d'automne, c'est plus autonome. La municipalité n'embauche plus de professeurs. Le lien se fait directement citoyen à professeur. Moi, je suis là en support technique. On vise vraiment l'autonomie pour que si jamais il y a une abolition de poste ou peu importe, ça va pouvoir continuer à fonctionner tout seul. Ou s'il y a des citoyens qui désirent un cours et on n'a pas encore une ressource, moi, je suis là pour la trouver et puis faire le lien entre les deux. Là. En ce moment, quels cours sont offerts? Il y a du taekwondo par une professeure extraordinaire qui s'appelle Michel Richard, 26 ans d'expérience et professeur de métier. Ensuite de ça, il y a un professeur de yoga qui s'appelle Caroline Tondreau, qui est vraiment top. Et ensuite de ça, il y a... Attendez un petit peu que je réfléchisse. Il y a yoga, taekwondo... Et Zumba. Zumba, la dernière folie du jour, c'est ça qui est Mme Nathalie de Bélanger. Super bonne, elle aussi. Ce cours-là se donne le vendredi soir.
C'est très populaire, les oléagineux. Ah oui, très populaire. Très, très populaire. Puis, il y a eu un dépouillement d'arbres de Noël à chaque année. On s'en vient dans Noël, là, bientôt. Oui, c'est ça. Bien, on s'en vient dans la deuxième année. Il y a quelques années, il y avait des parents bénévoles qui organisaient le dépouillement. Et pour plein de raisons, l'événement a tombé à l'eau, soit que les enfants ont grandi ou l'intérêt n'était plus là. Puis, je trouvais que c'était important de faire encore ce dépouillement-là. Encore avec la pluie de la municipalité, bien, ce qu'on a fait, les conseillers, on a repris cet événement-là. Il y a un comité de bénévoles qui s'est formé et puis on a repris le dépouillement. L'année passée, on a eu au-dessus de 130 enfants. Chacun a eu un cadeau, un sac avec la barbe à papa, des friandises, toutes sortes d'affaires. En tout cas, ils étaient vraiment, vraiment contents. Et cette année, c'est le 15 décembre, notre prochain dépouillement, là. Puis ensuite, est-ce qu'il y a d'autres activités prévues prochainement? Bien là, très prochainement, le 17 et le 24 novembre, il y a des ateliers en psychomotricité. C'est grâce à Québec en forme, en collaboration avec Québec en forme, qui embauche une ressource pour offrir des ateliers parents-enfants en psychomotricité. On espère que ce qui va être appris va être amené à la maison pour les plus petits. Il y a le dépouillement le 15. Ensuite de ça, en janvier, le 27 janvier, de 13h à 16h, il va y avoir des tours de traîneaux à chiens gratuits pour les résidents de Mandeville aussi qui vont être offerts. Il y a d'autres choses ultérieurement, mais ça va être indiqué dans la programmation des loisirs que les citoyens vont recevoir là, au début de décembre. Est-ce que cette année, il y a un carnaval encore? Oui, carnaval. Nous, on a un carnaval d'hiver qui est hyper populaire, qui est vraiment apprécié des citoyens. C'est toutes sortes d'épreuves loufoques. Encore, ça vise la famille parce que mon mandat est vraiment pour les 0-100 ans. Alors, c'est vraiment familial. C'est dehors. On fait toutes sortes d'activités, d'épreuves et tout le monde en sort gagnant, finalement. Au printemps, est-ce qu'il y a des activités de prévues ou vous n'êtes pas encore sûr, ça va être dans le calendrier? Ben oui, en fait, il va y avoir les jeux d'eau qui vont être installés dans la nouvelle aire de jeu clôturée. Oui, il y a des trucs qui s'en viennent, mais je réserve la surprise. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos mentors? Oui. J'ai deux personnes qui m'ont beaucoup aidée parce que je n'ai pas de formation officiellement à titre de technicienne en loisirs. J'ai Mme Nathalie Desrosiers du service des loisirs de Saint-Damien qui m'a beaucoup aidée quand j'ai commencé. Et Mme Sergine Bouchard aussi qui est récréologue de formation, qui travaille aussi au niveau municipal. Là. Vraiment, sans eux, je n'aurais pas pu donner le même rendement, assurément. Là. Puis pour les loisirs dans Brandon, je crois qu'il y a une table justement de loisirs qui englobe Mandeville, Saint-Didas, Saint-Gabriel. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, certainement. En fait, toutes les municipalités maintenant ont leur service de loisirs. Donc Mandeville, Saint-Didas. Saint-Didas, c'est bénévole, mais la dame qui est là à titre de responsable des loisirs, Saint-Gabriel et Mandeville, on se rencontre à quelques reprises dans l'année pour échanger sur nos idées, sur des projets qu'on pourrait avoir à long terme, dont un projet en particulier que je réserve encore la surprise, mais qu'on aimerait bien faire, là, qui serait pour tout Brandon. Là. D'accord. Est-ce que tu peux me parler aussi de ton implication dans la zone réussite persévérance scolaire? Oui, Rose, zone réussite, c'est un super de beau projet dans la persévérance scolaire, comme tu viens de dire. Je suis dans le comité porteur. Ça rentre dans mon mandat aussi de technicienne en loisirs. C'est un projet qui a démarré à Lanoraie ou à Lavaltrie, je ne suis pas certaine, mais qui n'a pas été repris par le milieu. Et puis nous, dans la région de Brandon, l'année passée, on l'a fait pour la première fois. En gros, c'est pour la persévérance scolaire, oui, je l'ai dit, mais ça fonctionne sous forme de livret. Il y a trois livrets. Chaque livret contient une dizaine de défis, à peu près, que les enfants, les parents doivent relever. Et leur billet, leur défi, une fois que le défi est relevé, ils sont étampés et se transforment, si on veut, en coupons de participation pour des tirages qui ont lieu à la fin de chacun des livrets. Et à la fin du dernier livret, il y a un très gros prix. L'année passée, c'était un voyage à Walt Disney pour une famille de 4 personnes, toutes dépenses payées. Et il y a une très, très, très forte participation. Et tous les milieux sont impliqués, autant communautaires, municipales, scolaires. Tous les commerçants aussi de la région qui embarquent super bien dans le projet. Ça va super bien, ce projet-là. C'est vraiment un projet novateur. Là. Donc, on va aller une courte pause. On revient tout de suite après. Acheter en français, c'est bien sûr contribuer au développement de notre économie et à la création d'emplois, mais c'est aussi se respecter et se faire respecter. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe.
Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500$ disponible chaque semaine lors de cette journée de bingo télévisé. Deux animateurs bénévoles et quatre vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Manet, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rue Saint-Michel, le dépanneur, le magasin SO 212B chemin La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Encourageons les entreprises d'ici qui nous reçoivent et nous servent fièrement en français et qui nous offrent des produits où tout est en français. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français. Bonjour, je m'appelle Émilie Charpentier, vous regardez CTRB TV. Nous sommes de retour avec Isabelle Beaudoin. Est-ce que tu peux me parler de ton implication dans le conseil d'administration de Travail de rue? Et qu'est-ce que c'est le projet? OK. Travail de rue, c'est un organisme qui existe depuis quelques années. Moi, je suis administratrice depuis bientôt 2 ans. C'est un organisme qui est né à cause du fait que Brandon était une région dévitalisée. Donc, dans un souci d'améliorer la situation générale, d'intervenir dans les problématiques que les gens vivaient, il y a 2 travailleurs de rue qui est embauché. Qui font, oui, de la prévention, mais aussi de l'intervention, dans le sens qu'ils gèrent un peu les situations de crise, réfèrent aux bons intervenants aussi. Étant donné que c'est un organisme qui est jeune, parce que selon l'Agence de la santé et des services sociaux, quand ça fait pas 7-8 ans, c'est que tu es relativement jeune, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de subvention récurrente qui est envoyée à Travail de rue. Donc, c'est vraiment un effort de la communauté de maintenir cet organisme-là à flot. C'est d'aller chercher des sous, là. On en a grandement besoin parce que c'est vraiment nécessaire. C'est des travailleurs qui vont à Brandon, Saint-Gabriel, Mandeville, certains autres endroits, là, travaillent le terrain, là, vraiment. D'accord. Puis, est-ce que tu peux me parler des activités qui vont se passer cet hiver? Je crois que ça va bouger pas mal les fins de semaine. Oui, absolument. Bien, pour une deuxième année, encore grâce à D'autres en forme, ce qu'on va faire, c'est que la municipalité va embaucher 2 animateurs ou animatrices, là, dépendamment. On n'a pas encore choisi les personnes. En fait, c'est qu'il va y avoir une personne à l'animation de la patinoire et une autre, cette année, c'est en nouveauté, la glissade aussi va être animée. Donc, ce que ça peut dire, c'est ce que ça peut
représenter, c'est que le samedi après-midi et le dimanche après-midi, il y a une personne qui est là, qui met de l'animation. L'année passée, il y avait la soirée disco, il y avait un après-midi sous les tropiques, il y avait plein de thématiques, des cours d'initiation au patin. Donc, la glissade va aussi être animée, mais différemment, là, évidemment. Là. Ça bouge vraiment à Mandeville. Ça bouge à Mandeville, madame, oui. C'est toi qui les formes, je crois, hein, les animateurs? Oui, absolument. Oui. C'est avec ma formation de cadre responsable de la formation d'AFA. Je peux enseigner cette formation-là, qui est une grosse formation. C'est 35 heures théoriques et puis 35 heures de pratique. Et puis, les élèves doivent passer vraiment les deux blocs, sinon ils n'ont pas leur licence. Mais une fois que la licence est obtenue, elle est bonne d'une manière indéterminée. Ils reçoivent aussi la formation RCR, c'est oui, ça? Oui, absolument, absolument. C'est toi aussi qui c'est la donne? C'est moi aussi parce que je suis instructeur pour la Fondation des maladies du cœur. Une femme occupée. Oui, oui, j'ai pas beaucoup de temps libre. On pourrait peut-être laisser les coordonnées pour ceux qui voudraient vous rejoindre ou avoir plus d'informations sur les activités. Absolument. Bien, le meilleur moyen, je pense, que c'est d'aller sur le site de la municipalité. Quand je prépare les programmations des loisirs, toute l'information y est, je le mets en format PDF. Et il y a toutes les autres informations aussi qui peuvent intéresser les citoyens. C'est à mandeville.ca. Et puis, si on veut me rejoindre par courriel, c'est mandeville@intermonde.net ou par téléphone de 8 h le matin à 16 h au 450-835-2055. Et mon numéro de poste, c'est le 4707. Puis, je pense que tu as des projets aussi à venir. Tu es en train de terminer un bac. Oui, dans mes nombreux temps libres, après mes enfants, mon travail, tout ça. Oui, je suis en train de faire mon bac en administration des affaires. Là, c'est ça. Tu as combien de temps de fait? Je peux te parler en termes de cours. Là, j'ai 13 cours de fait sur 30. D'accord. Fait que, tranquillement, ça pas l'avance. Vite. C'est ça, j'avance tranquillement, pas avec vite. Avec tout le reste? Oui, c'est ça. En plein ça. Je crois que tu étais finaliste au gala Florilège. Oui, un gala Florilège, c'est un gala de mérite lannaudois. Je me suis inscrite là à titre personnel dans la catégorie de dépassement de soi. C'est ça, j'ai adoré mon expérience là aussi, j'ai été finaliste, mais je n'ai pas été lauréate, mais j'ai vraiment aimé le contexte d'apprendre à connaître d'autres jeunes aussi qui font la différence dans la Lanaudière, qui ont une grande détermination, une grande motivation. Bien que ça ne paraisse pas vraiment, je suis quelqu'un qui a un dynamisme vraiment contagieux. J'arrête jamais deux secondes, là, je suis assise tranquille, là. Mais c'est de rencontrer aussi d'autres gens comme nous qui ont plein de projets pour leur patelin et qui se dépassent. Puis est-ce que tu as d'autres projets à part ça, futur? Y a-t-il des trucs que tu aimerais réaliser? Oui, mais ça aussi, ça va rester secret. On est en attente, la municipalité est en attente de différentes approbations pour des projets. On a été accepté pour une démarche pour la municipalité Amis des aînés. On attend présentement l'acceptation pour le volet famille, pour dresser un portrait de la situation, quels sont les besoins, dépendamment. Puis après ça, on va les conseillers, la mairesse et tout ça, on va pouvoir encore plus adapter nos services en fonction du portrait qui va être tiré. Bien, je te remercie beaucoup. C'était notre première entrevue à nous deux. Bien oui, on a bien fait ça. Et je te remercie. Bien, merci à puis, toi. Puis s'il y a d'autres nouvelles, d'autres activités, bien, tu ne te gênes pas à nous contacter, on va en parler. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, à la prochaine.